Je ne savais pas comment vous en parler. Je n'y arrivais pas. Ça fait déjà plusieurs mois que ça dure. Voilà. Tout a commencé au collège. Dans ma classe de 6e B. Tu vas comme ça? Donne-moi ton sac, s'il te plaît. Arrêtez! Laissez-moi partir! T'as quoi aujourd'hui pour moi? Lâche-moi! Rien! Arrêtez! La petite table d'appel! Laissez-moi partir! Maintenant, ferme-la! Il est là, mon petit champion. Ça va? C'était bien à l'école aujourd'hui? Oui. Coucou chérie, ça va? Ça va et toi? On passe à table. Au fait, j'ai reçu une lettre du collège pour la réunion avec les professeurs. Malheureusement, c'est pendant mon séminaire. Tu pourras y aller? D'accord. Je vais voir si je suis pas en déplacement la semaine prochaine. Ouais, s'il te plaît. Déjà que t'as raté le premier match de l'école, tu pourrais t'investir davantage quand même. Oui, je sais. Merci de me le rappeler. Je fais ce que je peux. Désolé, je travaille beaucoup en ce moment. Promis, le prochain match, je serai là. Mais Lucas, t'as pas touché à ton assiette, t'as pas faim? Où je te parle? Je suis juste un petit peu fatiguée. Je peux sortir de table et aller me coucher? Oui, bien sûr, fiston. Bonne nuit. Bonne nuit. Ouvrez tous le livre à la page 12. Lucas, nous le premier paragraphe, s'il te plaît. Oui, madame. L'automne sous la pluie, la pluie vint du nord. Elle se mit d'abord à danser sur les chardons. Large comme des pots de tambour. Il sait pas lire, ce débile. Chut. Continue. Elle courut sur la droite, puis vers la gauche. Elle rétrécissait la lande autour des hommes. C'est lui qui va rétrécir à force. Thomas, tu sors. Mais madame, c'était pour rire. Tu sors! Tu vas rire dans le couloir.
Et pour demain, tu me feras l'exercice 3 et 4. Qu'est-ce que vous faites? Tu vas payer. À cause de toi, j'ai été puni. Tu feras ma punition pour demain matin. Rendez-vous à 8h devant le collège. Sinon, je te tue et tu connaîtras la plus grosse honte de ta vie. Ok? Vite, vite, vite. Oui. Tiens, la prof, viens. Bien passé l'école aujourd'hui? Oui. Ah non. C'est pas vrai, t'as encore cassé tes lunettes. Mais comment t'as fait ça? En jouant à l'école. Non mais c'est pas possible ça, Lucas. Moi je peux pas t'en racheter toutes les semaines. Hein. C'est la dernière fois, je te préviens. Bon allez, va faire tes devoirs dans ta chambre. T'es puni ce soir. Je vous dis tout cela, car je ne supporte plus d'aller au collège. Et il n'y a pas d'autre moyen de ne plus y aller. J'avais décidé de ne rien dire à personne de l'enfer que je vivais au collège pour plusieurs raisons. Déjà, je ne voulais pas que vous sachiez à quel point j'étais pitoyable. Ensuite, je ne voulais pas que vous vous inquiétiez. Et enfin, je savais que vous iriez voir le principal pour lui dire. Et je savais très bien que ça ne ferait qu'empirer la situation. Réveillé? Tu vas être en retard. Je me sens pas très bien ce matin. C'est vrai? Bon, je vais appeler le collège. Par contre, j'ai une réunion très importante au travail, il faut absolument que j'y sois. Ça dure qu'une heure. Dès que je reviens, on va chez le médecin, d'accord? D'accord. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Papa, maman, ces 11 ans que j'ai vécu avec vous ont été très beaux et je ne les oublierai jamais. Comme vous, je ne vous oublierai jamais. J'espère qu'un jour, vous pourrez me détester un peu moins. S'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Là où je suis heureux et en paix. Vous allez me manquer. Et j'espère qu'un jour, nous pourrons nous revoir au ciel. Je vous dis adieu pour toujours.